Bonjour à tous, je m'appelle Laura, je suis conseillère à la retraite sportive et je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je vais essentiellement vous faire des petites vidéos sur Active Mémoire. Active Mémoire qui vous permettra de faire travailler à la fois certaines parties de votre corps, de par du renforcement musculaire, de l'équilibre ou des exercices de respiration, et en même temps de faire des exercices cognitifs. Nous allons pour cela commencer avec un travail de renforcement musculaire du bas du corps et des petits exercices de calcul. On va pouvoir commencer tout de suite avec des squats. Alors, pour la position de squat, pour ceux qui le connaissent déjà ou ceux qui ne le connaissent pas, vous écartez les jambes, largeur des épaules. Si vous voulez, vous pouvez écarter un peu plus pour être un peu plus équilibré. Vous avez les genoux un petit peu détendus, vous détendez aussi vos épaules. Et ensuite, vous allez venir pliez les genoux comme si vous vouliez vous asseoir dans une chaise. Vous faites attention à ce que vos genoux ne dépassent jamais vos orteils. Donc on va partir pour une série de 10 squats et en même temps vous allez réaliser un exercice de calcul avec moi. C'est bon, c'est parti, on y va. Allez, vous allez faire 13 plus 11. Pensez à bien respirer. À ceci, vous allez ajouter 5. Vous allez ensuite ajouter 22. Très bien. Maintenant, nous allons passer à un deuxième exercice, qui est l'exercice des fentes avant. Donc, vous allez venir vous placer avec une jambe en avant, la jambe droite si vous voulez, et une jambe en arrière, les pieds parallèles et un petit peu écartés pour toujours être bien équilibrés. S'il y en a qui sont plus à l'aise, vous pouvez un petit peu reculer. Les mains sur les hanches et nous allons continuer, nous allons descendre. Donc, pour cet exercice, pareil, en même temps qu'on va faire des fentes avant, vous allez faire des calculs avec moi. C'est parti. 6 multiplié par 4 plus 6 multiplié par 3. Auquel vous ajoutez encore 5. Très bien. On relâche, on respire. On va faire une dernière série qui va nous faire travailler les mollets. Donc vous allez mettre toujours les jambes largeur du bassin, détendre un petit peu les genoux, aussi toujours détendre vos épaules. Et maintenant, on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Et on redescend. On va faire 20. Montez, descendu comme ça. Et en même temps, on va faire un autre exercice de calcul où cette fois, vous allez essayer, avec tous les chiffres qui seront affichés en bas, de retrouver le compte le plus près possible. Allez, c'est parti. Il va y avoir le numéro 2, le numéro 5, le numéro 7, le numéro 11 et le numéro 9. Vous allez essayer de trouver le chiffre 132. Allez, continuez tout en respirant. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous souhaitez, ou alors un petit peu pour vous équilibrer sur le côté. Si certains ont des difficultés, vous pouvez vous appuyer contre un mur. Pensez à bien respirer. Allez, on vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. On relâche, vous pouvez détendre un petit peu vos jambes. Soufflez bien, relâchez vos épaules.